Tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Comment tu t'appelles? Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes? Ils vont le cacher. Ils vont faire de lui un homme. Ouais, tu parles que tu restes. Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre? De quelle façon il va survivre? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle façon? Il est avec moi, n'est-ce pas? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Écoute. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Ce que tu as à savoir, c'est que. Il y a trop de vices ancrées chez l'Homo sapiens. T'en mets deux face à une pomme et déjà ça coince. Assurément supérieur, il aime l'évolution. Façonne le monde à son image avec ses contradictions. Prend des addictifs pour gérer ses addictions. Condamne le préservatif, pas les additions. Il réfléchit au progrès, pas leurs conséquences. Il fléchit face au pouvoir sans trop d'impertinence. Garde un œil chez le voisin pour guetter sa blouse. Il retrouve derrière un masque dans des grosses partous. Il a écrit les droits de l'homme, le livre de la jungle, et confond un peu les deux, le cul entre deux singes. Il consomme à outrance mais ça l'inquiète peu. Il donne 20 euros à Greenpeace, il veut un sachet de bœuf. Il apprend pas de ses erreurs dans les livres d'histoire. Il rêve juste d'écrire la suite en un peu plus noir. Village des hommes, village des hommes, village des hommes. Et de quelle façon qu'il arrivera à survivre? Ils vont le cacher, ils vont faire de lui. Il a du mal à marier deux hommes, deux femmes ensemble. Ça l'a jamais trop dérangé de voir des peuples en sang. Il arrache des arbres en Amazonie, mais heureusement il plante des buissons sur les toits de Paris. Il peut connaître le temps qui fera pendant tes vacances. Il est moins juste avec les tremblements de terre, c'est pas de chance. Pas d'OGM dans son assiette, il trouve ça pas bon. Il laisse ça aux poules, aux dindes, aux vaches, aux cochons. Il a la folie des grandeurs, la muraille de Chine. Il est con comme un balai, un mur en Palestine. Il remplace des gens par des automates et te fait croire qu'il cherche à réduire le taux de chômage. Jamais à l'abri d'un pétage de plomb. Y'a même un brin qui rêvait que tous les hommes soient blonds. Tu trouveras pas toutes ses erreurs dans les livres d'histoire. Il garde sa plume pour te raconter ses heures de gloire. Tu veux que je te dise, toi, tu me plais. Village des hommes, village des hommes, village des hommes. Il a des piercings, des tatouages, des anneaux gastriques. Qui crève la dalle, il a le sida et pas qu'en Afrique. Un peu lâche, c'est pas lui, toujours de la faute des autres. Du chétan, de Jésus ou d'un de ses apôtres. Il a inventé l'argent pour rendre les choses simples. Au niveau de mes blagues, celle-là je la mets dans le top 5. Il a pas toujours le temps de faire dans le détail. Antibiotiques, pas automatiques sauf pour le bétail. Il veut des armes pour se protéger des gens armés. Pas de salle de shoot, il veut pas aider les gens camés. Il enterre ses morts dans des caisses en bois. Laisse dormir des gens dehors même quand il fait froid. Il sacrifie les siens pour fabriquer des smartphones. Pour que tu comprennes qu'il l'a croqué, les a signés d'une pomme. Il a tendance à réduire en moi le peu d'espoir que j'ai pour lui, qu'il soit blanc, marron, jaune ou noir. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.